pour l'échappée d'art. Donc, je viens de réaliser une fresque dans la rue Cordel, dont le thème est Les passants de la rue Cordel, où en fait, donc voilà, c'est un ensemble de portraits qui correspond en fait à des personnages que je dessine dans la rue depuis un peu plus de 20 ans, mais aussi quelques représentants de personnes de la ville d'Angers sans être forcément des portraits réalistes et fidèles, mais c'est plus de manière générale dans mon travail, c'est toujours influencé par les gens qui sont autour de moi dans la ville. Monumental, puisqu'il s'agit de la tenture du château, mais nous allons avoir l'ordre. Le thème, c'est la diversité de l'art et de l'art contemporain en particulier. L'année dernière, les œuvres de nos collections se sont invitées en ville. On avait donc une thématique qui était l'échappée des œuvres de nos collections dans la ville, et un mode d'expression, les collages. Cette année, nous avons à la fois, bien sûr, nous continuons sur des œuvres de nos musées dans la ville, mais également des créations. Nous en avons vu un certain nombre et les Angevins pourront les admirer au cours de l'été. L'idée, force, c'est la diversité de l'art contemporain, sa variété, et comment il peut nous donner une image, si nous sommes curieux, une image de la diversité et de la beauté de notre ville. Et si vous avez des petits éléments de strass, faites le dessin et faites ça.